Hola, Paquito. Sí, ¿cómo estás? El pueblo no estaba bien aquí. Ahora nos vamos a hacer un poquito de beat con el Levitation Beats y nos vamos a hacer un latín melancolía, sí. Ah non, c'est bon, on peut pas dire ça. Let's go pour une latino trap aujourd'hui en mode mélancolique. Ok les amis, alors là on est parti pour le jour numéro 3. Tout d'abord un grand merci, vraiment un grand merci à vous. J'ai eu beaucoup de retours sur le premier et le deuxième épisode. Ouais, continue comme ça. Et aujourd'hui, on va faire une Latin trap. Si, amigo. Allez, let's go sur mon logiciel favori, FL Studio. Pour la Latin trap, moi ce que j'aime bien faire, c'est ramener des côtés à la guitare. Un petit peu de violon, des bongos, etc. Bonne basse, un bon beat. Donc là, pour ma petite mélodie mélancolique, on va se mettre en 153 au niveau du BPM et on va prendre une petite guitare que j'adore. Pour les accords, on va partir là-dessus. Donc là, on a déjà nos accords. J'ai essayé de trouver une petite mélodie. Ok, donc pour les notes aiguës, j'ai rajouté une deuxième guitare en fait. Toujours un pad. Il y a toujours un pad dans mes prods en fait. Je viens de remarquer. Ok, donc là on a mis le pad. On va se mettre dans une ambiance avec une basse. Ok, donc là on est plutôt pas mal niveau mélodie. On va pouvoir commencer les drums. Ok, amigo, si, el beat estaba muy bien. Dale. Petite basse, j'aime bien. Donc là, je viens de terminer la prod. C'est que je vais faire le mixage et ensuite on se retrouve pour la V finale de l'instru. Bon, l'instrumental est totalement terminé. J'espère que tu as kiffé la vibes latino. Moi, en tout cas, j'ai archi kiffé l'affaire. Franchement, je suis content du résultat. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et comme d'habitude, un commentaire, un like. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne pour la suite. On se retrouve demain pour l'épisode 4. Ça va vite, hein? 4 déjà. Peace out.